les appelle bourgeois, bohème ou bien bobo pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos, pas loin des beaufs, quoique plus classe. Mais vous en dressez le tableau, sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft, atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que l'avenue Foch. Ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, privées de racaille. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils lisent Houellebecq ou Philippe Jean, les Arog et Télérama. Leur livre de chevet, c'est Suran, près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal+, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG et de temps en temps un petit porno. Les bobos, les bobos, les bobos.